Le mécanisme de la TVA, exemple du cas Touvéra Atoufo. Madame Atoufo, voyante de métier, exerce son activité dans sa boutique Touvéra Atoufo. Outre ses prestations de voyance, Madame Atoufo vend des produits ésotériques. Raphaël décide de s'initier à la magie. Il se rend chez Touvéra Atoufo dans l'objectif d'acquérir une boule de cristal. Raphaël est très intéressé par cette boule de cristal, mais il s'interroge sur son prix. Doit-il payer 150 euros ou 180 euros? Madame Atoufo lui conseille d'interroger la boule de cristal pour découvrir la différence entre un prix hors taxe et un prix TTC, ainsi que le mécanisme de la TVA. Grâce à son fluide puissant, Raphaël découvre que la TVA est un impôt indirect payé par le consommateur sur les biens et les services qu'il consomme. Il existe différents taux de TVA, un taux dit normal à 20% qui correspond à la majorité des produits que vous achetez, un taux réduit de 10% qui correspond au transport, un taux réduit de 5,5% concernant les produits alimentaires et enfin un taux particulier à 2,1% pour les médicaments. Raphaël ne comprend toujours pas. Pourquoi dit-on que c'est le consommateur qui paye la TVA? Pourtant, les entreprises aussi payent la TVA lorsqu'elles achètent des biens et des services. La boule du cristal lui répond alors. Oui, cependant, pour l'entreprise, l'opération est neutre. Le commerçant est un collecteur d'impôts uniquement. En effet, quand l'entreprise Touvéra Atoufo achète sa boule de cristal au fabricant, elle la paye 120 euros, soit 100 euros hors taxes et 20 euros de TVA. Le fabricant reçoit donc 20 euros de TVA qu'il devra reverser à l'État. Pour Vera Atoufo, la TVA payée au fabricant est appelée TVA déductible puisqu'elle sera déduite de la TVA collectée. La TVA est collectée par l'entreprise lorsque le client achète un produit. Raphaël va payer 180 euros TTC, Vera encaissera donc 30 euros de TVA collectée. L'entreprise Vera Atoufo a donc collecté 30 euros de TVA lors de l'achat de Raphaël et a payé 20 euros de TVA au fabricant de boules de cristal. Madame Atoufo devra reverser à l'État 30 euros de TVA collectée moins 20 euros de TVA déductible, soit 10 euros de TVA versée. Rendez-vous pour une prochaine vidéo afin d'expliquer les calculs liés à la TVA.